En seulement 15 minutes, ces trois ingrédients feront disparaître tous les poils de votre visage. Certaines dépenses sans compter pour se débarrasser des poils disgracieux: crème dépilatoire saturée en composants chimiques, séance de lumière pulsée très dangereuse pour la santé, épilation régulière chez l'esthéticienne et... Pourtant, il existe une recette très simple, très efficace et surtout sans naturel pour retrouver une peau douce et lisse. La majorité des femmes rêvent de ne plus avoir de poils, d'autant plus lorsqu'elles en ont sur le visage. Elles se mettent alors à tester toutes les méthodes possibles, sans penser à cette alternative efficace et durable. À bas le poil. Le poil est perçu comme un manque d'hygiène, voire un manque de féminité. C'est la raison pour laquelle dès qu'un poil pointe le bout de son nez, nous cherchons aussitôt à l'enlever. Malheureusement, ces différentes méthodes d'épilation finissent par vieillir la peau, l'irriter et la fatiguer. Il existe pourtant un moyen naturel pour y remédier, une recette qui nous vient de nos voisines du Moyen-Orient, qui l'utilisent depuis des siècles. Cette recette a pour particularité d'être très riche en vitamines, minéraux et antioxydants, idéale pour apaiser la peau et l'éclaircir. Son utilisation permettra de faciliter la circulation sanguine de votre visage, ce qui réduira vos cernes et estompera vos petites rides. Enfin, si vous en avez ingrédients: 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de farine d'avoine, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Préparation: mélangez tous les ingrédients jusqu'à former une pâte que vous pourrez étaler sur votre visage sans qu'elle ne coule. Ensuite, appliquez par petits mouvements circulaires tout doux. Ne soyez pas agressive, car la peau du visage est la partie la plus sensible du corps. Laissez le mélange reposer pendant 15 minutes. Vous rincerez ensuite votre visage avec de l'eau tiède pour désincruster et pour bien enlever les résidus de la pâte, car au contact de l'air, elle a tendance à durcir un peu. Appliquez cette recette 2 fois par semaine et après un mois, vous constaterez une réduction importante des poils de votre visage. Renouvelez jusqu'à disparition totale. Le miel dans cette recette est utilisé pour ses propriétés apaisantes, régénérantes, mais aussi parce qu'il adoucit le poil. Le citron est là pour blanchir la peau et la purifier. Il éclaircit le teint mais aussi le duvet, qui paraît alors moins visible. L'avoine a des vertus hyperhydratantes, et c'est l'ingrédient qui fera que le poil sera déraciné en douceur. Il est conseillé d'hydrater votre visage ensuite avec une crème hydratante de votre choix qui soit, bien sûr, la plus naturelle possible. Important: si vous avez une peau qui sort de l'ordinaire et qui est sujette à des rougeurs, de l'irritation, de l'allergie ou d'autres problèmes dermatologiques, nous vous conseillons tout de même de consulter un spécialiste avant d'appliquer cette recette. Astuce: avant de procéder à l'application d'une recette naturelle, il est préférable de l'appliquer sur une zone aussi sensible que votre visage, comme l'intérieur de votre coude. C'est le meilleur moyen de tester votre sensibilité.